On en vient à notre reportage du jour. En sport, le football à l'ère des données numériques au Sénégal. Les performances évaluées grâce à l'analyse de données numériques. L'objectif est d'améliorer la performance des joueurs et offrir ainsi aux entraîneurs une meilleure lisibilité. C'est un reportage de Chersad Boudjara et Amadou Ba. Leur ambition est grande. France Football Détection et sa filiale sénégalaise apporte une révolution dans le recrutement de jeunes joueurs au Sénégal. Une sélection qui, au-delà d'un match, se réalise à travers de nombreux tests individuels qui vont indiquer les meilleurs. Nous, on vient avec un système de détection bien spécifique qui est orienté via des tests, qui est orienté sur de la data. Et en fait, on va venir faire passer plein de tests aux joueurs durant toute une journée quasiment. Et à la fin, on va venir retirer plus de 250 points d'évaluation. Donc c'est pas des matchs, c'est uniquement des tests. Et on va venir par exemple évaluer le pourcentage de vitesse perdu après chaque sprint, le pourcentage de lucidité perdu après chaque sprint, un indice sur la technicité. Et on va venir créer un peu comme une sorte de fiche FIFA du joueur avec toutes les caractéristiques qu'on aura évaluées de manière isolée. Savoir détecter le plus rapidement les jeunes footballeurs à fort potentiel. Une aubaine à ne pas manquer par les clubs. Jusque-là, on faisait de très bonnes choses. Mais avec France Football Détection, on va avoir beaucoup plus de précision. Donc la marge d'erreur sera presque éliminée. Là, je pense qu'on va beaucoup gagner vraiment en efficacité. Ce qu'on faisait, donc il y avait beaucoup de tâtonnements des fois. Dans ce football actuel, les statistiques sont fondamentales. Si tu veux développer ton jeu, si tu veux développer ton football, je pense que ce serait une erreur de ne pas travailler avec France Football Direction. Les clubs sénégalais, cibles privilégiées, entre autres d'ailleurs, des produits de France Football Détection qui va élargir ses horizons. Pour les joueurs détectés, donc, quand ils ont en dessous de 18 ans, ils ne peuvent pas encore aller en Europe. Donc l'idée, c'est d'aller se former et de parfaire leur formation au sein de clubs comme l'Institut Diambar où on est aujourd'hui. Et pour les joueurs qui ont plus de 18 ans, ça peut être différents parcours sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur le pays du Maghreb, il y a différentes possibilités, même aux États-Unis. Dès l'année prochaine, on reprend avec encore plus de détections à travers le Sénégal. Et l'idée, ce sera même d'aller s'exporter un petit peu sur la Guinée et de pouvoir commencer à couvrir petit à petit toute l'Afrique de l'Ouest. Également dans les perspectives, l'ouverture d'une session de formation sur les métiers du football au mois de septembre prochain. Merci, cher. Le ministère